reactor shell damage. Sister board appears to be intact. I must get to Aliro City. They are in danger. Whoa, whoa, whoa. Hey, who's in danger? An army is coming. I must warn them. Hang on. Slow down. You've been in a crash. Salut à tous et bienvenue sur Gameblog pour une nouvelle vidéo en direct du PlayStation Experience 2015. Alors vous connaissiez Ratchet & Clank le jeu, vous connaîtrez bientôt Ratchet & Clank le film, mais ce n'est pas tout parce que vous allez aussi avoir le droit à Ratchet & Clank le jeu, inspiré du film, inspiré du jeu. Alors derrière cette appellation un peu rigolote se trouve en fait une sorte de remake du tout premier Ratchet & Clank. Mais plutôt que de se contenter de refaire le même jeu, la même progression, là ils ont ajouté plein de choses. Ils ont ajouté des nouveaux boss, des nouvelles zones, des nouvelles armes. Ils ont même modifié un peu le gameplay en fait. Vous pouvez straffer maintenant. C'est quelque chose qui n'était tout simplement pas possible dans le Ratchet & Clank original. Alors après, ça reste toujours un jeu, comment dire, d'action plateforme, très coloré, pas enfantin mais familial on va dire, avec des personnages attachants et une réalisation très très propre. Même s'il y a un tout petit peu d'aliasing par moment et la caméra qui va peut-être se coincer un peu contre les décors, ça reste quand même très joli. Il y a de beaux effets de particules, de beaux effets de lumière, c'est très très chouette. Alors après, pour ce qui est de la narration, le jeu est raconté par le personnage qui raconte le film. Le jeu commence après le film et il revient sur tout ce qui va se passer. Et les cinématiques, ça va être un mélange d'extraits du film. Par exemple, si vous avez regardé la conférence PlayStation, eh bien, les extraits de cinématiques que vous avez vus sont tirés du film. Donc ils seront dans le jeu. Mais comme l'aventure du jeu est beaucoup plus longue que celle du film, vous aurez aussi des cinématiques inédites. C'est un moyen de redécouvrir Ratchet & Clank d'une certaine manière. Donc en plus, en termes d'armes, les effets des armes ont été totalement retravaillés. Il y a quelques armes supplémentaires, mais il y a aussi les armes bien connues des fans de la série. Et les armes fonctionnent sur tout le monde. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, l'arme qui fait danser tous les ennemis. Il y a aussi celle qui les transforme en pixels. Alors je parlais avec un développeur d'Insomniac qui m'expliquait que l'arme qui transforme les ennemis en pixels, c'est quelque chose qu'il voulait déjà faire du temps de la PS2, mais la console était tout simplement pas assez puissante pour pouvoir le faire. Donc là, ils ont pu pousser à fond leurs idées originales dans ce Ratchet & Clank. Moi personnellement, j'ai bien aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les cinématiques, j'ai trouvé les personnages très attachants et j'ai envie de découvrir l'aventure proposée par ce remake de Ratchet & Clank. Voilà donc ce que je peux vous dire au sujet de ce jeu. Ça sort le 12 avril aux États-Unis. Bien évidemment, j'ai essayé de poser la question concernant la date de sortie européenne, mais il ne l'avait pas, parce qu'en fait, ça se cale plus ou moins avec la sortie du film. Le film sort aux États-Unis le 29 avril, donc le jeu sort un petit peu avant, et les dates pour l'Europe ne sont pas connues pour l'instant. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne Ratchet & Clank. Moi, je file, je vais découvrir d'autres jeux, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. It disassembles so it can infiltrate enemy strongholds. So what do you say?